Et salut tout le monde, c'est Red Kill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est actuellement sur The Visitor Returns. Alors ça là, en bas, c'est moi. Je suis un ver de terre extraterrestre qui a été envoyé sur Terre afin de détruire le monde. Alors pour cela, il faut que je grandisse un peu, donc il va falloir que je me nourrisse, bien évidemment. Mais là, je suis emmerdé, j'aimerais bien aller bouffer dans la poubelle, mais il y a ce putois qui est devant. Alors il va falloir qu'on trouve une solution pour passer. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons devoir nous frayer un chemin jusqu'à la caravane où il y a sûrement un petit humain qu'on pourra bouffer. Alors si je clique sur le putois, comment ça se passe? Alors, je bouffe? Oh. Ok. Bon, ça c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux éteindre la lumière? Non, est-ce que... Ah! Je peux tirer le truc, mais il y a le cadenas qui m'en empêche, malheureusement. Je peux taper dans la poubelle, mais ça a pas l'air de la faire tomber non plus. Là, si je lui clique dessus, bah, je suis mort en fait. Ici, on a une trousse à outils avec un marteau. Un marteau qui va pouvoir me permettre de casser le... Casser le cadenas. Ah mince, attendez, attendez, je reprends. Casser le cadenas. Allez! Non, ok, bon, j'ai mis 4 coups, je pense pas. Attends, j'en tente un cinquième, mais non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. On va démarrer la tondeuse, c'est parti. Ok, ça marche pas. On peut cliquer là. Ok, ça débranche la lumière. Bon, par contre, ça change pas trop. Hein. Y a toujours autant de lumière. Il a pas l'air de partir, le putois. Tant pis. Est-ce qu'il faudrait pas branler... Ça marchait, nickel! C'est parti! Waouh, let's go! Il est parti! On peut y aller, on peut rentrer dans la poubelle maintenant. Même pas. Ok, tant pis. Arrête-toi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, j'ai plus d'oreilles là. Ah merde, mais du coup il revient. Tu peux pas te barrer plutôt? Casse-toi là, faut que je fasse un truc. Je peux pas avancer? Où est-ce que je peux cliquer là? Je peux toujours cliquer sur le marteau, mais ça, ça a pas l'air de vouloir le casser. Hein. Non, si je rebranche la lumière, comment ça se passe? Comment on le débranche là? Non, bah apparemment je peux plus enlever le câble, donc on va laisser la tondeuse allumée. On peut pas taper sur la poubelle? Non, on peut pas taper sur la poubelle. Ça... Ah! Let's go! Let's go, let's go! C'est bon, on peut tirer du coup? Ouais, on peut le tirer. Parfait. Donc là, la poubelle est comme ça. On peut la faire tomber, c'est parfait. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Je peux cliquer là, qu'est-ce que ça fait? Ok. Je suis parti à l'intérieur. Je suis parti à l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais éteindre la tondeuse. Ah, c'est bon. Oh là, il va me bouffer. Ah non, c'est moi qui vais le bouffer! Je suis devenu plus gros, let's go. Allez, on va en direction de ma prochaine proie. Oh, c'est tellement gore. Ok. Ah, me voici à la caravane. Cette fois-ci, on a affaire à une moufette. Hein, ça pue ce truc. Attendez, je vais aller le voir. Oh là, je suis parti sous la caravane. Oh, il m'a chié dessus! Il m'a chié dessus! Bon, ok, c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut prendre ce petit truc-là, là? Et le taper dessus? Non, on peut pas. Avec ça, est-ce que je peux le mettre sur le feu? Dans le feu, ok. Va falloir réunir de quoi allumer le feu, je pense. Bah, du bois. Hop, on met du bois. On peut pas en mettre d'autres. Une conserve. Non, c'est une mauvaise idée, une conserve. On va faire brûler une conserve, ouais, pourquoi pas. Il y a quelque chose dans cette poche. Mais non. C'est un briquet. Là, ça suffit? Ça suffit pour tout allumer, là? Bah, let's go. Ouah. Ok, ok, alors attendez, est-ce qu'il va se diriger vers cette nouvelle... Non, faut que j'aille me cacher dedans. Ah, mais je pourrais pas me cacher dedans. Non, moi, faut que j'arrive à avancer. Ou alors, attendez, je peux aller dans la boîte de conserve, peut-être? Non, la boîte de conserve, je peux rien en faire... oh là, c'est une mauvaise idée là. Là, je suis parti vers lui, mais. Non, il va me chier dessus. Il va me chier dessus. Oh putain. Ok, c'est mort. Ah, mais je suis. Par contre, je suis resté là. Donc, il y a un autre truc à faire là. Ou alors, je suis peut-être bloqué, hein. On peut pas prendre les bières, on peut pas prendre. Qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas. Oh là là. Non, mais impossible, hein. J'aurais beau. Bon, au moins, il me bouffe pas, c'est ça qui est bien. En même temps, je commence à être aussi gros que lui, hein, presque. Hein. Cette conserve, je comprends pas. Hein. Cette conserve, il faut vraiment que je trouve où est-ce que je peux cliquer. Ah, il y a une araignée ici. Ah, c'est moi, ça me permet de retourner là-bas. Très bien. Alors, je sais pas à quoi ça va me servir. Ah, attendez, je suis en train de grimper, là. Je suis en train de... What? Vas-y, grimpe, 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 grimpe. Non. Il faut réussir à faire descendre l'araignée. Comment on peut faire? Est-ce que si on lui met la conserve... dans la toile d'araignée. Ah non, même pas. Ok, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend. Je vais pouvoir remonter tranquillement. J'y vais, je vais la bouffer. Et là, du coup, je vais devenir plus gros et je pourrais... Oh, aïe, 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 aïe. Et là, normalement, je peux l'attaquer. Hé, vas-y. Boum, let's go, grosse toile d'araignée. Donc, en fait, je prends les capacités de ce que je bouffe. Ça, c'est parfait. Je vais devenir encore plus gros. Oh, putain, je commence à être bien stylé, là, hein. Je commence à être bien stylé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la caravane?
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait tout l'écran pour trouver où est-ce que je pouvais cliquer et apparemment je peux passer par la petite fenêtre qui est cassée. Donc, on y va. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crimpe. Les humains, j'espère qu'il y a un petit humain à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a un humain. Oh. What? Oh putain, regardez, je suis juste là. Le mec est là avec son paquet de Marlboro, sa bouteille de whisky, et son chien, par contre, va falloir l'éviter. Alors, si je clique sur le chien, ça fait quoi? Oh merde, je suis cramé, je vais me prendre un coup de 12. Ah, c'est bon, il m'a pas vu. Alors, c'est quoi ça? Je me suis nourri. Est-ce que je vais faire la vaisselle? Oula, non, mauvaise idée. Regardez, le mec, il croit même pas son chien. Bon, il aurait mieux fait de le croire avant de se faire bouffer. Quoi? Arrête de me gueuler, toi. Je peux pas lui lancer un petit truc de bouffe, là, pour qu'il me laisse tranquille? Ah, je vais lui ouvrir le... je vais lui ouvrir ça. Allez, hop, tiens, mange. Ok, alors moi, je peux avancer maintenant. Oh, merde, il m'a cramé encore. Alors, c'est clope, est-ce que je peux pas les voir? Non. Faut que je prenne les saucisses et que je lui envoie dehors, là, qu'il me laisse tranquille, l'autre. Alors, si je clique sur moi, il se passe quoi? Ah, ok, il faut que je l'amène faire autre chose ailleurs. Alors, si je clique sur lui... Attendez, je peux le bouffer? Oh là là, je vais devenir incroyable. Let's go. Allez, on y va. On remonte. Alors, t'aurais mieux fait de croire ton chien, toi. Hein. Alors, si je clique sur la vaisselle... Non, il m'a pas cramé, là? Il m'a pas cramé? Oh, il s'est renversé du whisky dessus? Je vais le refaire un coup. Ah non, je peux plus le faire. Du coup, mais regardez, là, le briquet, on va lui allumer le whisky. On va lui allumer. On peut? On peut, bien sûr. Ah merde, ça marche pas. Alors, on va lui allumer une clope, alors. Non? On peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quoi? Oh! C'est un sniper, le type! Non, faut que je trouve une solution à... avec ce briquet, là. Mais non, il repose. Bon, faut le faire au moment où il boit, peut-être. Là, il boit. Non, ça marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Je vais retenter un coup, mais... Ah, mais ouais, il faut que je le fasse pile au moment où il va boire. Allez, faut qu'on gère. Ok, repose. Vas-y, bois. Bois. Voilà, on y va. Ok, il m'a défoncé direct. On peut pas allumer les gazinières avec le feu, mais non. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Ok, ça va pas servir à grand chose pour l'instant. Par contre, si je mets le briquet devant, ça va peut-être faire un truc. C'est n'importe quoi. Ok, alors là, je peux l'attaquer, non? Là, je peux l'attaquer, ouais, je peux l'attaquer, ça y est. Là, si je bouffe un humain, vas-y, bouffe. Monte. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh merde. Oh merde, il y a sa femme. Oh merde, faut que je m'occupe de sa femme maintenant. Go, on y va. Oh putain, c'est ça qu'il fallait faire en plus. Elle a tiré ou quoi? Ah ouais, elle est en train de tirer. Oh merde. Alors attendez, il va falloir que je me protège là, parce que ça va pas. Si j'ouvre la porte... Ah ok, je me fais déglinguer. Faudrait que j'arrive à me cacher, genre peut-être sur l'extérieur, comme ça là. Ah ouais, on va passer sur le côté. Vas-y. Vas-y. Oh putain. Ok, c'est pas ce qu'il fallait faire. Alors, est-ce qu'on passerait pas ici? Il y a une vitre. Ah ah! Bien joué, ça. Alors, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut repasser par la porte? Attention. Ouais, c'est bien ça qu'il fallait faire. Oh putain! On fait quoi, là? On a 5 choix, en fait. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors là, il faut faire le bon choix. Hein. Ah, il faut savoir qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé encore. On n'a pas utilisé les griffes, hein, je crois pas. Allez, go, griffes. Ok, c'était pas les griffes. Les dents? Ok, pas les dents. Je te jute dessus peut-être? Ah, il faut le faire dans l'ordre maintenant. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire là? Elle pourrait remuer un petit peu, genre, histoire d'enlever les toiles d'araignée dessus. Il faut l'attaquer direct. non, c'est pas ça qu'il faut le faire. Donc, on lui met ça sur le pistolet. On lui jute dessus. On lui met un petit coup de griffe. Non, c'est pas ça. Allez, on lui jute dessus. On lui met... Non, c'est pas ça. Ok, donc ça va être venin. On lui jute dessus. On lui met du venin. Oh, c'est même pas du venin, c'est un groupé de furet. On y va. On fait quoi maintenant? On fait quoi? C'est le moment. Attaque. Croucha. Allez, encore. Chac. Oh. Oh, trop génial. J'ai tout fait dans l'ordre, là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Replay final. What? Oh, j'ai été jusqu'à la ventricle penetration. J'ai pas fait la mutation. Je me suis pas muté. Il faut que je me mute en L. Il faut que je le refasse. Ok, donc on fait ça en premier, on fait ça ensuite. Et à partir de là, on va tenter ça. Voilà. Maintenant, on tente ça. Oh! Oh!
Ça y est, je vais muter. Ça y est, je suis le ver de terre le plus puissant du monde. Bon, bah, je crois que j'ai terminé ce jeu un petit peu chelou. C'est la première fois que je fais un jeu aussi bizarre sur la chaîne, je pense. Quoique, on a fait Solar Smash il y a pas longtemps, des trucs comme ça. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Redkill. Bye.